Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue, la vidéo du haul. Et oui, je me suis lâchée, on va le dire franchement. Donc en fait, je voulais attendre de recevoir toutes mes commandes, mais je me suis dit que ça ferait vraiment une énorme vidéo haul si j'attendais toutes mes commandes. Donc je vais d'abord vous faire une petite vidéo là, petite, moyenne, grande. Moyenne grande, plus ou moins moyenne grande, j'en sais rien, sur ce que j'ai reçu. Et d'ailleurs, j'ai pas tout sorti, donc je vais sortir tout. Et ensuite, oh, je suis tombée tout comme d'hab. Et ensuite, bah, je ferai une autre vidéo de de l'autre commande qui devrait arriver normalement samedi. Donc comme ça je ferai un tac. Je vous ferai autre chose. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Alors je vais commencer par vous montrer. Alors ça, je ne vais pas vous les présenter parce que tout le monde les a présentés. Ce sont les ink pads de chez Action qui m'ont été offerts en fait par une abonnée que je remercie très chaleureusement. J'avais dit j'irai chez Action quand je pourrai sortir de chez moi et elle me dit mais non, je te les envoie et elle me les a envoyés. J'en ai déjà testé quelques-uns. Je les trouve un petit peu moins sur certaines couleurs imbibées que les pads en gouttes. Les pattes comme ça, les chalk ink. Mais ils sont quand même pas trop mal. Je les ai utilisés déjà. J'ai utilisé du bleu. Bah, de toute façon, c'est simple. Je crois que je ne les remets pas dans le sens à chaque fois. Voilà. En gros, j'ai utilisé du bleu, j'ai utilisé du jaune et j'ai dû utiliser du rose. Voilà. Donc, pour l'instant, je les ai utilisés. Et honnêtement, alors je ne peux pas vous dire le prix parce que c'est un cadeau. Mais je les aime beaucoup et en plus les boîtes, elles me serviront de toute façon pour mettre mes Distress Ink qui traînent un petit peu parce que j'ai une seule boîte de Distress Ink. Et du coup, il y en a qui ne sont pas dans la boîte, donc quand les autres seront finis, je pourrai remettre mes Distress Ink. Voilà. J'ai commandé aussi, vous savez que je me fais la petite collection de CSI. Et donc là, j'ai commandé celle-ci et j'ai fait le petit nuancier. J'ai copié sur Maeva de la chaîne Colorizera. J'ai fait le petit nuancier à l'intérieur. Et donc, j'ai fait pareil pour les autres. Alors, ce qui m'embête, c'est que ça ne colle pas. Donc, je suis peut-être obligée de mettre des points de colle. Oh, mince. Ah! On m'a greffé des mains ou quoi? C'est quoi ce truc encore? Non, mais c'est pas vrai. Voilà. Parce que vous savez, avec les CSI, ce qui est bien, c'est qu'il vous donne un truc que vous collez sur les godets. Et ensuite, voilà, c'est aimanté au fond. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, les autocollants de couleur, ça me gêne. C'est que ça ne se colle pas très bien. Donc, voilà. Bon, par contre, elles sont juste top. Le seul défaut que je dirais au CSI, c'est qu'il y a certains papiers où ça s'efface. Notamment sur le papier japonais. Ça a une tendance à s'effacer. Mais sinon, les teintes, elles sont juste magnifiques, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu la brillance sur le nuancier. Donc là, j'en suis à ma troisième petite boîte, petit à petit. Donc là, je voudrais bien me prendre la violette maintenant. Donc, prochain achat, la violette. Ensuite, j'ai acheté le Spooky Boy. Donc, ça, c'est un duo qui est prévu. Le Spooky Boy, donc c'est pas de Coco Wayo, mais de Lenny Dao. C'est un livre, en fait il était à 3,90€ sur Amazon. Et j'ai craqué. Et il est vraiment trop mignon. Donc le petit bonhomme sur la télé, le petit bonhomme qui lit. Donc il y a un petit peu plus de zones noires que dans le Spooky Girl. Mais on est un peu dans le même système. J'adore les yeux. Il y a des choses super sympas à faire. Alors, celle-ci, je l'adore.
train de se brosser les dents là, avec les produits, on croirait des produits tête de mort là, vous savez, interdits. Bah oui, tenez, regardez, il y en a là. J'adore, franchement, je l'adore. Là, Halloween. Là, ça me fait penser à Scream, le film Scream. Il a toujours son petit chat avec lui. Je crois qu'il est sur toutes les pages, le petit chat. On est à la période de Noël. Il s'est caché parmi des trucs un peu bizarres. Donc là, il doit faire un cauchemar. See you again. Vous avez vu, le chat noir est tout le temps là. Hein. Donc là, c'est le duo que j'ai prévu de faire. Là, ça me fait trop rire. Ça me fait penser à Monstres et Compagnie, là. Le truc qui a plein d'yeux. Je vous donne des idées aussi pour mes thèmes pendant ce temps-là. Donc là, c'est les mêmes petits fantômes que dans Spooky Girl. Là, est-ce qu'on serait pas dans Ratatouille? Lol. Ah, là, il fait du spiritisme. Enfin, c'est même de la magie noire, je crois, avec le pentacle. Le clown. Donc ça, ça fait penser au film Ça. Il enquête. Un film où il y a des enquêtes comme ça. Ça, ça me fait penser à Thriller. Vous savez, la chanson de Michael Jackson, là, quand on voit les morts vivants avec cette position un peu comme ça. Là, moi, ça me fait penser à Twilight, quand il se transforme en loup. Et j'aurais tout. Je crois que j'ai plein de possibilités avec ce livre. Il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations. Le puits. Ce qui est rigolo, c'est qu'il a toujours son chat noir avec lui. Mais toujours. Je crois qu'il est sur toutes les illustrations. Est-ce que ce ne serait pas le totem de Koh-Lanta? Le peintre. Je ne sais pas ce qu'il peint. Parce qu'en fait, il y a quoi? Il n'y a que lui qui est en face de lui. Ah, il n'y a pas le chat. Ah si, il est là. Ouais, vous voyez, il est partout, le chat noir. Est-ce qu'il est là? Ça va être un peu où est Charlie? On va chercher. Eh ben non, je crois que c'est la seule illu où on ne voit pas le chat. Ou alors, il est bien caché. Où est Charlie? Il est vraiment persécuté par les gens, hein. Par les morts vivants. Hein. Là, ça fait Stranger Things un peu, avec la télé comme ça. Ah, encore une illustration. Où est Charlie? Il n'y a pas le chat. C'est rigolo, les personnages comme ça. C'est vraiment creepy, mais c'est à la fois mignon, je trouve, quand même. C'est pas non plus gore. Voilà, on est arrivé au bout. J'adore ce livre. Franchement, j'adore ce livre. En plus, pour 3,90€, honnêtement, avec le nombre d'illus qu'il y a dedans, on n'est pas... Voilà. Explore the creepy world with the adorable spooky boy. En fait, il est mignon, mais dans un monde de creepy. J'adore. Et en fait, je ne savais pas que cet illustrateur ou illustratrice avait d'autres livres. Parce qu'en allant regarder son nom sur, du coup, sur Amazon, j'ai vu qu'elle avait d'autres livres de différents styles. Donc, c'est quoi ça? Donc, je suis trop contente. Ensuite, et oui, j'ai fait beaucoup d'achats. Ensuite, j'ai acheté ça et je remercie les colos de Lisvie de m'en avoir parlé. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai mis mon jeu en place, tu sautes, je saute, où il y a des thèmes, et notamment, il y a le thème dessin animé. Et j'ai fait un colo que vous retrouverez, donc je l'ai posté, mais vous le retrouverez de toute façon dans mes colos terminés, qui me faisait penser à... Donc, c'est un colo de SACUEMS. Et il m'avait fait penser à ce dessin animé-là.
Et pendant que je parlais de ça, à un moment donné, j'ai évoqué un colo que j'avais fait il y a quelque temps, qui m'avait fait penser. Alors, est-ce que je peux vous sortir ce colo? Ouais, je pense qu'on va être un petit moment ensemble là, sur cette vidéo. Alors, attendez, c'était un colo de Anna Carlson que j'avais fait. Bah, le tout premier Anna Carlson que j'avais fait dans son nouveau livre noir quand je l'ai eu, que je l'avais précommandé. En fait, j'avais fait ce colo-là. Et quand je l'ai fait, j'avais vraiment été regarder les couleurs de Gigi, en fait, parce que ça me faisait penser un peu à son. Elle a un petit camion vétérinaire, pour ceux qui connaissent le dessin, qui connaissent pas le dessin animé, justement. Et du coup, j'étais vraiment partie sur Gigi pour ce colo. Et donc, c'est là que Lisvi me dit, oh, ben, j'ai Gigi, je croyais qu'il n'y avait que moi qui connaissais. Et en fait, Gigi, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est une petite fille qui a été adoptée, entre guillemets, par une, par des. Par des gens, elle est magique, entre guillemets, et en fait, elle est arrivée sur Terre par hasard, on va dire. Et donc, j'adorerais ce dessin animé-là, et donc, voilà. Et elle m'a dit, ah, mais tu sais, moi, j'ai un livre, et honnêtement, il est kiffant, et j'ai retrouvé des dessins animés que, bon, là, les Cités d'Heure, je m'en souvenais, hein, il n'y a pas de souci, Tom Sawyer, je m'en souvenais aussi. Ulysse 31, je m'en rappelais carrément. Jace et les conquérants de la lumière, je m'en rappelais aussi. Clémentine avec sa bulle bleue, je m'en souvenais. Mon inspecteur Gadget, voilà. Olympe, je m'en souvenais pas du tout. Blondine, je m'en souvenais pas du tout. Papa Longue Jambe, je m'en rappelais carrément. Ça me fait penser même à Fifi Brindacier avec ses couettes. Et en fait, vous avez toutes les héroïnes de mon nom. Ah, Gwendoline, j'adorais. J'adorais Gwendoline. Suis ton rêve, Gwendoline. Oh, j'adorais. C'était trop bien. Et en fait, oh, Madame Pepperpot, c'était génial, génial. Les filles du docteur March, donc avec Meg, Joe, Bess, Amy. Ensuite, il y a les sauvages jeunes. Alors là, Cathy, la petite fermière, Heidi, Annette, dans les Alpes avec Annette. C'était trop bien. Mais qu'est-ce qu'on a eu une génération avec des dessins animés top. Et moi, je les ai regardés tôt, tard, hein, les dessins animés. J'étais grande que je les regardais encore. Flo et les Robinson Suisses, j'ai adoré aussi quand j'étais jeune. Après, vous avez les futés, donc avec Mafalda. Oh, on étudiait ça en espagnol, c'était trop bien, Mafalda, j'aimais bien. Daria, je m'en souviens pas du tout. Lisa, je m'en souviens bien. Vera, bien entendu. Après, vous avez Athéna. Moi, j'ai pas regardé Chevalier du Zodiaque, donc je connaissais pas. Princesse Sarah, alors là, je l'ai vue, revue et sur-revue. D'ailleurs, j'avais fait un colo d'un freebie de Amandine Young sur Princesse Sarah. Boucleline, Julia Eileen, Pollyanna. Ah, oh, Pollyanna, il est passé qu'une fois sur la 5. J'adorais ce dessin animé, mais j'adorais. Laura et la passion du théâtre, je ne connaissais pas. Charlotte, je ne connaissais pas. J'aime les hologrammes. Alors, j'avais même l'album Panini, tellement j'adorais. Et ça, franchement, il y a des colos dans SAQM, le livre de coloriage, les Sweet Kawaii de SAQM. Franchement, il y en a un qui me fait trop penser à J'aime, donc je vais le faire dans ma catégorie dessin animé. Cobra, j'ai pas trop suivi. Je passe assez vite hein, quand même. Jeanne et Serge, bon bah ça c'est mythique. Hein. Je voulais faire du volleyball rien que pour ça. Ensuite, j'ai voulu faire de la gym rythmique et sportive pour Cynthia ou les rythmes de la vie. Non, mais j'étais une cruche quand j'étais jeune. Hein. Je me masque, j'ai pas trop regardé. Je sais tes matchs, j'ai pas trop regardé. J'étais trop Jeanne et Serge, je pense. Olive et Tom, j'ai pas regardé. Nicky Larson, bah oui, avec Laura. D'ailleurs, on en parlait l'autre jour en live que le dessin animé est largement mieux que le film. Dragon Ball, je ne regardais pas.
Les filles de BCBG, j'ai regardé un peu, mais c'était pas, voilà, c'est pas un que je regardais à fond, quoi. Sabrina dans Max et compagnie, je regardais pas. Elle m'énerve ma bague, elle arrête pas de tourner, elle est vraiment pénible. Dragon Ball Z, j'ai pas regardé. Lamu, je regardais, mais elle m'énervait. Chevalier du Zodiaque, donc je regardais pas. Goldorak, bah, ça c'est toute mon enfance, hein, Vénusia. Elle était un petit peu, Vénusia, elle était un petit peu, je donne des ordres. Esmeralda dans Albator, bah carrément. Nadia, le secret de l'eau bleue, je ne me souviens pas avoir regardé. Oscar, bah Lady Oscar, j'ai regardé sur le tard en fait. Je l'ai regardé bien après tout le monde. Shira, avec Muscler, bah bien sûr. J'adorais. Bon, c'est pas pour ça que je voulais être Shira. Hein. Reporter Blues, j'ai jamais regardé. Marina Galaxy Express 999, j'ai regardé un petit peu. Pole Position, mais j'adorais Pole Position. Et ça me fait trop penser au film avec Tom Cruise. Je me souviens plus du titre là tout de suite, mais Tonnerre Mécanique. Non, pas Tonnerre Mécanique. Non, non, je dis n'importe quoi là. Je suis en train de raconter des bêtises. Je sais plus. Cosmo Cats, mais j'adorais Cosmo Cats. J'adorais. Sophie et Virginie, c'est bizarre. Je n'ai pas connu. Pourtant, bah, c'était avec mon prénom. J'aurais dû peut-être m'y intéresser. J'en sais rien. Cat Size, bon, alors là, c'était juste extraordinaire. Je suivais Cat Size à fond. Je les adorais. Juliette, je t'aime. Alors moi, je ne regardais pas, mais c'était le dessin animé préféré de ma mamie d'amour. Elle regardait, elle le n'en loupait pas. Hein. Et c'est comme les feux de l'amour, il ne fallait pas la déranger pendant Juliette, je t'aime. Candy, bah oui, j'ai regardé, j'étais toute petite. Avec le prince des collines. Puis l'autre méchante, là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, elle. La méchante. Georgie, alors ça, on a parlé en live l'autre jour. C'est un de mes dessins animés préférés avec Princesse Sarah. Avec une histoire. Et même. La fin a été censurée en France parce que il y a des épisodes où elle est totalement nue. Lucille, alors oui, ça s'appelait au début Embrasse-moi Lucille et ensuite ils l'ont appelée Lucille Amour et Rock'n'Roll. Donc pareil, il y a une là, voilà, cette image-là en fait dans un des colos de SAQUEMS. Je vais la représenter parce que puis Roméo. Parce que je l'ai retrouvé. Vas-y Julie, je connais pas. Sandy Jonquille. J'adorais Sandy Jonquille. Et je crois que j'ai vu aussi une élue qui me faisait penser dans SAQUEM. Je pense qu'à SAQUEM, j'ai carrément l'avancé grâce à ça. Et en plus, comme ça, en fait, c'est comme le Wouzou. J'ai les couleurs des personnages, donc c'est trop bien. Ensuite, il y a les magiciennes. Donc Crimi, bah, le dessin que j'ai fait l'autre jour, qui a fait qu'on a parlé de ça. Emi Magique, pareil, je pense que je vais prendre ce combo de couleurs pour en faire. J'adorais Emi Magique. Gigi, bon, on en a parlé tout à l'heure. La Labelle, j'ai pas trop connu. J'ai même pas connu du tout, j'ai envie de vous dire. Le Tour du Monde de Lydie, j'ai pas connu non plus. Chéri Miel, j'ai pas connu non plus. Super Nana, ça me parle, mais très lointain. Vanessa, la magie des rêves, par contre, oui, j'ai regardé beaucoup. J'aimais beaucoup. Kiki, je m'en souviens pas. Et là, je crois qu'on arrive sur une dédicace à ma colorfila d'amour. C'est Sailor Moon. Voilà. Et Tini Stealth a fait une Sailor Moon, donc je pense que je la mettrai en couleur à ce moment-là. Voilà pour cet achat. Franchement, j'adore. Je kiffe ce livre. Depuis que je l'ai reçu, j'arrête pas de le propulser. Ensuite. J'ai craqué pour les collines. Alors, comment qu'il s'ouvre? Ah, dis donc. Alors, il y a trois racks. Je vais enlever le plastique. Attendez, je vais peut-être faire pause. Voilà.
Désolée. Il y avait plein de scotch partout. Ah, me dites pas qu'il y en a encore. Pourtant, j'ai... Alors, il y a trois racks, comme vous pouvez le constater. Alors, on va essayer. Est-ce que ça rentre, là, les trois racks? Ah, il y en a un qui... Ah, il y en a un qui s'est fait la malle. Ah! C'est pas génial. Hein. De toute façon, je vais m'acheter une trousse ou je vais regarder, je vais peut-être réorganiser mes trousses. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais... Bon, est-ce que là, je peux enlever le scotch pour ouvrir? C'est un truc de dingue. Hein. En plus, j'ai mis la petite bougie que ma Joëlle m'a offert parce qu'elle sent super bon. Et j'aime bien, je trouve que ça fait une ambiance tête à tête, très misée. Et sans rire, c'est une blague. La nana, elle a, au moins, il ne reste pas de ce... Ouh, j'ai fait bouger, j'aime pas du tout. Je peux les abîmer, en fait. Non, mais hey, sans rire. Je vous jure, c'est le sketch. Le sketch du scotch qui s'enlève jamais. Et il y en a encore par là. Donc, ils sont protégés. Alors, ils n'ont pas de gomme au bout ou autre pour protéger les mines. Mais alors, par contre... Ça doit vous énerver ce bruit, ça me gave là. Là, c'est en train de m'énerver, mais grave. Voilà, ça, ça dégage, ça nous énerve. Voilà. Donc, nous avons trois racks. Alors, je vais prendre les papiers aussi pour regarder avec vous ce que c'est que ces papiers. Toc. Voilà. Donc, trois racks. Ah! Et du coup, ça colle au scotch. Vous croyez ça, vous? On va faire comme ça pour que vous voyez les teintes. J'en ai marre du scotch. Là, vraiment, ça m'a vraiment... Voilà. Donc, les collines. Bon. Alors, je vais dénoncer la personne qui m'a donné envie. C'est Lily Scolo. Voilà. Elle a parlé des collines. C'était pas la première fois que j'en entendais parler, mais elle en a parlé un petit peu plus que les autres. Et du coup, ils m'ont fait envie. Et là, de les regarder, honnêtement... Je trouve qu'ils ont une variété de couleurs quand même intéressante. Je pense que je vais les reclasser moi après dans ma trousse. Parce que bah là, le beige mélangé au vert, ça ne me va pas. Là, il y a du gris mélangé au bleu, ça ne me va pas. On a du rose là, on en a là, on en a là, ça ne me va pas. Enfin voilà. Donc, je pense que je vais être obligée de retravailler là-dessus. Donc sinon, donc il y a 120 couleurs. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une espèce de petit poster avec des idées en fait de colorisation, d'accord. Ah, ça par contre c'est top. Il vous donne des idées de combo couleurs pour faire des natures mortes en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est top. Vous voyez, pour faire une banane, ils vous donnent les combos de leurs couleurs. Je pense que je vous ferai une revue un peu plus détaillée hein, des collines. Donc, ce sont des crayons, vous voyez, qui sont octogonales. Octogonaux. Octogonal. Un crayon octogonal. Ils sont légers. Bon, les mines sont vraiment toutes petites. Hein. Je pense qu'il va falloir retailler. Au début, ça va peut-être me gaver que ce soit aussi petit. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, l'objet crayon est très joli. Les teintes. On a quand même des teintes pastel. On a des teintes plus foncées. Je pense qu'il y a de quoi faire. On a 120 teintes en même temps dans la gamme. Je ferai un test. Déjà, je ferai mon nuancier que je vous présenterai. Et je vais m'acheter une trousse ou réorganiser, comme je vous disais, mes trousses pour avoir 120 places quelque part. Je pense qu'ils se mélangent bien au... Enfin, ils sont à peu près comme les... On m'avait plus ou moins dit qu'ils étaient à peu près comme les Prisma. Donc, peut-être que dans ma trousse Prisma, j'aurais peut-être la place. Je vais regarder, tiens, tout de suite. Parce que mes Prisma, c'est la misère. J'ai failli faire tomber la trousse de Life Fast. Je vais juste regarder. Ah non, j'aurais pas du tout de place. Non.
Non, non, Prisma, ça sera pas possible. Bon, bah, je verrai dans une autre trousse. Et sinon, bah, j'en commanderai une. Voilà. Donc, voilà. Bon, ça, je vous ferai une revue bien complète. Allez, je repars avec mon truc plein de scotch, là. Je vous ferai une revue complète sur ces crayons. Vous dire ce que j'en pense. Voilà. Mais je les garderai pas en rack. Alors, en plus, la boîte, elle est... Je pense que je garderai même pas la boîte, vous voyez, parce que une boîte à glissière comme ça, je vois même pas à quoi ça va me servir. Donc... Mais je suis trop contente. Boîte en carton. Donc, je les ai achetées sur Amazon Japan. Et ils sont... j'adore. Voilà. Ensuite, toujours sur ma commande Amazon Japan. Il y a longtemps que j'hésitais à me le prendre. Donc, je l'ai pris. Le Rhapsody in the Forest. Donc, pareil, je ne vais pas vous le présenter. Il est suffisamment connu, reconnu. Donc, c'est de Kanoko Egusa. Vous avez multiples présentations de ce livre, je crois, sur toutes les chaînes. Il est extrêmement connu. Mais j'ai hésité des mois, des mois, des mois. Et bah, il est tombé tout seul dans mon panier. Donc, je passe vite fait hein, les illustrations. Au cas où, des nouvelles personnes qui ne connaissent pas Kanoko Egusa et qui n'ont jamais vu d'illu de ce livre tomberaient par là. Mais je ne vais pas vous, voilà, vous le faire. Oh, cette double page, elle est top à faire, mais alors elle doit prendre du temps. Celle-ci, je suis moins fan. Ça, ça fait un peu papier peint, c'est pareil. Peut-être faire ouf. Faire un effet avec des stylos gel peut-être. Celle-là, elle est trop mimi, j'adore. Celle-là est magnifique. Je vous dis que je ne vais pas vous faire, mais je vous fais en fait. Ah, oh, j'adore celle-ci. Ah, celle-ci, on croirait. Vous savez, Nemo. Quand il est avec les tortues dans le courant est australien. Là, c'est chargé, là. Ouh, beaucoup de choses différentes, beaucoup, ouais. Très nourriture, là. Ah, celle-ci aussi, elle est chargée. Très, très chargée. C'est dommage, parce que vous avez des petits trucs, et après, c'est très chargé. Donc, à voir comment on peut les travailler. Oh, celle-ci est magnifique. Vous devinerez pourquoi, hein, je la trouve magnifique. Mon petit hérisson. Ah, puis plein de champignons variés, ça peut être super sympa à faire. Celle-ci est trop mimi aussi. Oh, il fait poil de ouf, mais trop mimi. Non, il est super. Je regrette absolument pas l'acquisition. Ah, le cirque. Ah, il est trop beau celui-là avec les petits écureuils et tout. Le petit raton laveur. C'est dommage, il y a des illustrations qui sont mignonnes et puis après, c'est super chargé. Pareil, double page chargée. Ah, j'adore. Celle-ci, on peut la faire... j'aurais envie de la faire blanche comme celle dans Harry Potter. Oui, je sais, maintenant, j'ai regardé les Harry Potter. Celle-ci, pareil, un peu chargée. Oh, j'aime ça. Je crois que c'est une qui m'avait fait craquer, celle-ci. Ça m'avait fait craquer aussi sur la chaîne de Sylvie Mispondi, quand elle avait mis en couleur la couronne. Je crois qu'elle n'a pas fini, mais elle le fait petit à petit. Ça m'avait trop donné envie. La fille qui vous dit qu'elle ne va pas le faire, mais qu'elle a tout tourné avec vous. Ah, c'est trop rigolo celui-là aussi, j'aime beaucoup. Ah, les petits écureuils, trop mignons. Ah bah, celle-ci, Sylvie l'a faite aussi. Elle a fait des macarons de ouf, je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Oh,
qu'est-ce qu'elle a réussi à bien représenter les macarons réalistes. Voilà, encore du papier peint. Remarque, vous mettez ça dans votre chambre, vous dormez pas. Hein. Mon Dieu, on dit papier peint, mais il faut avoir envie d'avoir ça dans sa chambre. Hein. Très belle double page encore, là. Moi, j'aime bien quand c'est des doubles pages, mais en fait, vous avez beaucoup d'éléments qui se ressemblent, parce que finalement, bah, vous les faites et ça me dérange pas, en fait. Bon, au bout d'un moment, on en a marre, mais ça me dérange pas. J'espère que le livre passe bien, bon, parce que, en fait, la caméra, je l'ai mise un petit peu à l'envers, et du coup, j'ai un peu du mal à voir si vous voyez bien. Je suis un petit peu à l'étroit sur mon bureau, en fait, j'ai trop de trucs à force d'acheter. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Avec un fond noir, mais bon, chargé, hein, chargé. Oh là 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 là, celle-ci, elle est... C'est même pas par où la commencer. Hein. Il y a vraiment trop d'éléments. Trop d'éléments. Elle est énorme, celle-là. Je vous montre comme ça, mais... Si je recule un peu, vous allez peut-être mieux voir. Parce que du coup, depuis tout à l'heure... Est-ce que là, vous voyez mieux? Vous allez me répondre, bien entendu. Forcément, vous allez me répondre. Et il y avait longtemps que je vous avais fait bouger pendant un haul. C'est pas mal, là, comme ça. Ouais, là, ça doit être pas trop mal. J'espère que vous n'avez pas tout raté depuis tout à l'heure. Là, on est parti dans les monts de l'Olympe. Très belle affaire aussi, celle-là, mais chargée, hein. Ça fait un peu penser à Nelko Nelko, c'est vrai. Et la fin. Bah écoutez, je ne regrette absolument pas mon achat. Pourtant, j'ai longtemps hésité. Et je suis contente de l'avoir pris. Ensuite... J'ai craqué sur celui-ci. Je me souviens même plus de l'illustrateur. Mais en fait, les images qu'il a présentées, alors, il y a toujours japonais, il y a toujours beaucoup de d'illustrations en couleur avant. Ah, l'effet transparence là, c'est. Ça c'est pour Patrick. Y a pas de colo. La fille, y a pas de colo. C'est que un livre de. Ah bah oui. Ah bah oui, je me suis trompée de. C'est pas celui-là du coup que je voulais. Ah bah bravo Virginie. Bon bah écoutez, c'est pas grave, parce qu'à la fin c'est du manga. J'ai dû mal cliquer sur ce que je voulais. Parce que j'avais vu des illus. En même temps, il est super beau. Je vais m'en servir pour... colorier certains autres. Il est magnifique. Même si c'est pas un livre de colo en tant que tel, franchement déjà, Eline va pouvoir le prendre pour faire des dessins déjà, premièrement. Et moi, je vais le prendre pour exemple de... Mais c'est bizarre, il faudrait quand même que je regarde sur mon... Est-ce
qu'il y a un manga à la fin. Ce que je regarde sur ce que j'ai commandé parce que j'ai été persuadée qu'il y avait. C'est pas celui-ci que j'avais cliqué. Mais il est trop beau en fait. Il est trop beau. Bon bah, je vais regarder ce que je vais en faire. Ouais, ça, je me dis qu'Eline, elle peut se céder pour dessiner, en fait. Ouais, ça donne plein d'idées pour faire des dessins, donc c'est pas complètement inutile, en fait. Bon, bah du coup, je vais pas rester 15 000 temps sur ce livre. Puis bah, je vais apprendre le japonais parce que s'il faut que je lise le manga en japonais, il va falloir que j'apprenne. Bon, ça ne me dérange pas de mettre en couleur aussi les petites images, hein, mais bon. Mais en tout cas, il est super beau. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, c'est Momo Girl. Le mirage de Momo Girl. Pareil, qui me faisait de l'œil depuis quelques temps. Donc j'ai le Girl with Poem. Je n'ai pas le Girl with Music. Parce que c'était le Girl with Poem qui me plaisait le plus. Mais par contre, le mirage, je le trouvais très très beau. Et du coup, il me faisait vraiment envie. Oh, ce petit garçon là est trop beau. Voyez, tout à l'heure on parlait des dessins animés. Et ça me fait penser à Sandy Junkie, sauf que Sandy Junkie elle a les cheveux avec des couettes. Mais avec ses cerises, je pensais à ça. Ça donne des idées aussi, vous voyez, bah, vous avez le même personnage en fait, avec des cheveux comme ça, des cheveux colorés de différentes façons. Et là, transformé, voyez, avec un chapeau, machin, c'est marrant hein, de pouvoir prendre avec la même illustration. En fait, c'est ce qu'on fait dans nos mises en couleur. Hein. Quand on a la même mise en couleur, mise vue par plusieurs personnes, c'est jamais la même en fait. C'est exactement ça. Ils sont vraiment magnifiques, hein, franchement. Alors, je vais me retrouver comme l'autre, c'est que des sons en couleur. Non, celui-là, je l'avais vu. Voilà. Il est juste trop beau celui-là. Et je ne l'ai pas beaucoup vu celui-ci. Alors, celui-ci, par contre, il ressemble beaucoup à un dans Girls with Poem. Les traits sont beaucoup plus gros et je trouve qu'il y a un grayscale un tout petit peu plus prononcé que sur l'autre. Elle est trop sublime cette illustration là, franchement. Pour l'amour dans mon thème, l'amour dans toutes ses formes, il n'est pas trop beau celui-là, franchement. Oh, ce petit garçon est trop mignon. Donc, avec ses cerises. Et ce qui est bien, c'est que bon, le papier n'est pas hyper hyper épais, mais il n'est pas non plus complètement fin. Bah, le dessin là qu'on a vu sous plusieurs formes. Puis c'est bien, vous avez vu, vous avez des feuilles blanches à chaque fois. En fait, c'est une ilu par page. Donc du coup, vous pouvez. Ça risque pas de. Bon, il faut toujours mettre une feuille derrière, mais bon, on est un peu tranquille pour tous les médiums, quoi. Oh mon Dieu, comment elle est magnifique celle-ci avec le loup. Oh là là, et le l'aigle. Oh, elle est sublime celle-ci.
j'adore aussi. Ils sont vraiment belles saisies, lui. Hein. Oh là là, chargé, mais j'adore le regard. Oh, celle-ci, elle fait triste. On a vraiment le regard triste. C'est marrant comme on peut voir vraiment. Bon, ça, c'est les trucs de douane, je suppose. Avec ce fond noir, il y a quelque chose à faire de très très beau là. Oh, j'adore. Je crois qu'il n'y a pas une ilu que je n'aime pas. Elles sont toutes magnifiques. Franchement, je regrette pas du tout. Mais il me paraît plus petit que l'autre Momo Girl. Je vais regarder, je vais le sortir. Celle-ci aussi, sous la pluie. Oh, avec le lampadaire, il y a de quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'adore. Oh là là, elle est magnifique avec son doudou. Là, là on voit la zénitude de l'enfant qui dort avec son doudou. Oh, c'est trop beau. Là, on est plus dans le typique. Oh, l'ange. L'ange dans les bras de sa maman. Quelle représentation magnifique. Elle est sublime, celle-là. Elle est dans le vent, oui, on a les cheveux qui volent au vent avec les plumes, n'importe quoi, les feuilles. Oh là là, elle est pensive, bah oui, to be remembered forever. Elle est pensive, mais ça se voit, vraiment, elle sait mettre des choses dans le regard de ses personnages, franchement. Oh, c'est trop choupi, là, les deux petites sœurs. Enfin, j'imagine que c'est des sœurs. Il est juste... Oh, j'adore aussi. Je les aime tous. Franchement, je les aime tous. Oh, sexy celle-là, elle est nue. Petite jeune fille au printemps avec les jonquilles. Les narcisses. Pardon, les narcisses. Je confonds toujours jonquilles et narcisses. Je ne suis pas très botaniste. Hein. Lui, il suce son pouce, dis donc. Lui, elle, je ne sais pas, il a des ongles peints. On remarque maintenant, les hommes mettent du vernis. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de règles. Il ne faut pas s'enfermer dans des clichés. Très, très beau. Oh là là, l'ange encore avec... Bah oui, c'est Noël. Le gui. Le hou, pardon. Là, c'est la couronne de Noël qu'on peut mettre sur la porte. Tiens, c'est rigolo ça, une page avec des instruments de musique. Bon, j'adore cette image, mais alors le fauteuil me fait trop penser au fauteuil d'Emmanuel. Hein. Excusez-moi, mais vous connaissez ma chaîne, hein. Je suis un petit peu oulé oulé, il y a des choses auxquelles je pense. Best friend to you at 17. Alors ça, cette image me fait penser à la série Lock and Keys. Parce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose avec l'horloge de la maison. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série. Oui, je sais, j'ai toujours quelque chose qui me fait penser à quelque chose dans mes ilus. Magnifique. Colombe de la paix. Le symbole de la paix. Ouais, la paix, ce qu'on aimerait tous, mais bon, malheureusement, le monde ne nous écoute pas. La sirène, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. N'ayez pas cette image de tristesse, et lui, il la regarde plein d'amour, franchement, c'est pas trop beau. Alors là, vous voyez, cet ilu me fait trop penser à Morgane, parce qu'elle adore les sirènes.
Et là, c'est quoi? L'elfe de la forêt? Ne pleure pas. Quelqu'un qui vient la rassurer. Est-ce que c'est son ange gardien qui vient lui dire ne pleure pas, sois apaisée. C'est comme ça que je la vois. Elles sont un peu plus simples, hein, ces illus-là. Moins de détails, beaucoup plus. Je ne sais pas combien. Ah ben, voilà, on est arrivé à la fin. Je ne sais pas combien de livres. De livres de dilu, il y a dedans, mais il est quand même bien rempli. Il est magnifique. Je regrette pas du tout cet achat. Franchement, on va dire que le seul achat que je regrette un peu, c'est celui-ci. Bon, après, il n'était pas excessif, il n'était pas du tout cher. Et je me dis que ça va servir à ma fille, donc je vais lui offrir. Parce qu'elle va pouvoir travailler. À chaque fois, j'ai les papiers de douane maintenant. Je vais pas le renvoyer au Japon pour ça, honnêtement. Mais en fait, j'ai craqué tout bêtement sur la couverture. Parce qu'elle est vraiment trop belle, la couverture. Pas la couverture là, mais la couverture ici. Elle est vraiment trop, trop belle. Franchement, et je garderai cette image pour l'utiliser sur un de mes colos. Ça, c'est sûr. Et pareil, je vais le donner à Eileen, mais je pense que je garderai en modèle certaines illus. Pour mettre en couleur certains de mes colos. Parce qu'il y a des illus, ils sont vraiment trop, trop belles. Donc, je vais. Il y a des combos de couleurs vraiment sympas. Il y a des, vous voyez, ce genre d'illustration. Pour apprendre à faire l'ombre et la lumière, c'est top. Regardez. Ils vous disent comment faire. En fait, c'est un livre de coloriage. Pour apprendre à faire des éléments, quoi. Donc, c'est pas si bête que ça au final de l'avoir, parce que ça peut vachement aider sur certains trucs. Oh, elle est trop belle cette illustration-là. Donc, vous voyez, pour les habits, les idées de combos, couleurs d'habits, les kimonos, enfin, c'est de la nourriture. Les chats, regardez les chats. On a plein d'idées de teintes de chats. Parce qu'on fait toujours, enfin moi je fais toujours mes chats gris généralement. Mais vous voyez, j'avais jamais pensé à faire un chat un peu dans les tons marrons comme ça, avec plusieurs. Vous voyez, les teintes, on les voit bien. Ah non, mais je vais le garder, hein, c'est sûr. En fait, je vais lui laisser parce que si elle veut prendre des exemples pour dessiner. Mais le reste, ça va me donner plein d'idées de pour mes autres livres japonais, coréens et autres. Pour des couleurs. Ça, c'est le genre de couleur que j'aurais pas osé faire en fait, dans les tons roses un peu tout. Ça peut peut-être aider, je sais pas. J'y suis peut-être pas encore, hein, mais non, il y a trop de belles images. Pareil, des combos cheveux auxquels j'avais pas forcément pensé, ou de couleurs. Donc, oh, celle-là, elle est pas. Ah, je suis en train d'habiller. J'enlève ça, je remettrai après. Elle est pas trop belle celle-ci, franchement. Vous voyez pas, on peut travailler sur une illu où il y a une plage et utiliser toutes ces couleurs à l'aquarelle ou même à l'acrylique. Franchement. Ouais. La fille qui se rassure. Hein. Je ne l'ai pas acheté pour rien. Non, je ne l'ai pas acheté pour rien parce qu'il est vraiment trop beau. Donc, je suis contente au final. Au début, j'étais un petit peu déçue parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais en fait, je suis large contente. Ça va vraiment m'aider. C'est comme un coloriste spécial effet, mais pour d'autres éléments. En gros, c'est ça. Donc, je suis contente. Alors, je voulais voir avec, par contre, le Momo Girl. Ah, je suis en train de tout faire tomber. Momo Girl, où est-il? Où est-il? Je commence à vraiment avoir trop de livres. Je ne sais plus où je les range. Momo Girl, ça, c'est mon Econico. Ah, il est là, mon gars. Vraiment, c'est le dernier. Ah, c'est toujours comme ça, c'est comme la caisse. Hein. Prenez toujours la caisse qui est en panne. Alors, est-ce qu'il est. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, la taille est plus petite. C'est bien ce qui me semblait. Mais je crois qu'on a beaucoup plus dilué dans celui-là que dans l'autre. Il y avait combien dans celui-là? 81. 82. 82 illus dans celui-là. Ouais, je compterai pour me mettre mon tracker à jour. Ou c'est parce qu'il y a des pages blanches, peut-être que j'ai l'impression qu'il est plus. Est-ce qu'au niveau.
Ouais, il a l'air. Mais bon, il y a des pages blanches, donc non, sinon ça doit être à peu près pareil, je pense. Ouais. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur mes dernières acquisitions. Ma CSI. Ah, ben ça, il faudrait que je le range aussi. Mes collines. Ah bah, pour ceux qui n'étaient pas en live, alors c'est pas un achat, mais mon mari m'a ramené du travail. Ces petites choses. Alors en live, on m'a dit, ça ressemble aux queues de pampan. Mais je pense essayer de faire des effets avec, en fait, dans de l'acrylique. Parce que c'est très original, je trouve, comme forme. Donc, je vais les utiliser en fait. Donc, je vous montrerai, je filmerai quand j'essaierai. Et puis, si c'est tout moche, bah, vous verrez pas le film. Et si ça donne bien, bah, je vous montrerai le film. Mais c'est vrai, oh, à chaque fois, je me fais avoir. Le problème, c'est que c'est de la ferraille et que ça pue. Et que ça pue. Bah oui, je suis ballot, moi. Dites. Vous dites pas, Virginie, t'es ballot pour les collines, t'as pas remis le socle? Et je suis un. Des fois, je suis un boulet, en fait. Mais vous êtes habitués, hein. Si j'étais pas un boulet, je pense que vous me suivriez pas. Parce que c'est ça qui vous fait rire. C'est que je suis un vrai boulet. Donc voilà. Au moins, la boîte paraît moins conne, entre guillemets. Donc c'est pareil, je ne sais pas si je vous filmerai quand j'ai. Quand je ferai les. Ah mince, par contre. Les collines. Peut-être. Peut-être quand je ferai mon nuancier. Et ensuite quand je. Voilà, c'est ça, ça se tire comme ça. Finalement, la boîte n'est pas si mal. Mais j'aime pas voilà, travailler avec les racks. Donc je préfère voir pour une trousse. Bon, dans un premier temps, peut-être que. Je resterai comme ça, je les rangerai dans les couleurs que je veux. Et puis, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, j'ai deux autres commandes qui vont arriver. Donc, j'ai une commande AliExpress et une commande sur une illustratrice française que j'ai découverte récemment et franchement, qui mérite qu'on parle d'elle. Donc, du coup, je vais recevoir les deux livres qu'elle a. Donc, c'est Laure Philippon, pour ne pas vous la nommer. Et je vous prépare une surprise, entre guillemets, avec Mélissa de la chaîne Colorfila. On vous prépare quelque chose qui tournera autour de Laure Philippon. Voilà, avec un fil rouge, etc., à suivre. Mais toujours dans le partage et dans la bienveillance. Donc voilà, bah, écoutez, je pense que je vous ai dit pas mal de choses quand même. Heureusement que je n'ai pas attendu l'autre commande parce que cette vidéo va déjà être assez longue comme ça. Et encore, je n'ai pas fait le nuancier des collines. Donc on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Allez, je le fais. Parce qu'il y a longtemps que je l'ai fait. Si vous n'êtes pas abonné, mais que vous êtes passé par là et que vous avez aimé ce que je vous ai présenté, abonnez-vous. J'adore faire ça. J'adore quand je regarde mes vidéos True Crime. Souvent, ils disent ça. Si ça vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, j'aime beaucoup quand Boucassine, elle dit ça. J'adore, j'adore. Mettez un petit j'aime, mais abonnez-vous, c'est encore mieux. Donc là, j'ai complètement piqué sa phrase. C'est vraiment du recopiage, recopiage. Mais j'adore, en fait, quand je regarde ses vidéos, Boucassine, je ne sais pas si vous la connaissez sur YouTube, elle raconte des true crimes. Et en fait, quand elle dit ça, j'adore. En fait, je suis abonnée, hein, depuis longtemps et tout. Je lui mets toujours un j'aime à chaque vidéo parce qu'en plus, j'adore sa façon de raconter. Et ses histoires sont toujours bien documentées. Et du coup, mais j'adore cette phrase. Si cette vidéo, comment on dit, si cette vidéo vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, mettez un petit j'aime. Mais abonnez-vous, c'est encore mieux. J'adore. Bon, j'ai copié. Voilà, sur cette dernière blague, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous!